أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu, le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu, le tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Sourate, chapitre 109, Al-Kafiroun, les dénégateurs, Ayat, verset 6, Lakum dinukum waliyadin. À vous, votre devoir, votre redevabilité de croire dans votre religion, et à moi, mon devoir, ma redevabilité de croire dans ma religion. Dans ces mots, l'Iyana, la doctrine, la religion, le credo, la foi, la conviction, la croyance. C'est le nom. L'adjectif adverbe, digne, croyant, dévot, fervent, pieux. Apprenez votre religion avant d'agir dans le mal, de tuer des innocents. Nous voyons l'ignorance porter ses fruits. Il faut attaquer à la racine le mal, cette ignorance. Il faut attaquer toute dictature d'idéologie, quelle qu'elle soit, religieuse, philosophique, politique. Le coupable de ce crime ignoble, de l'assassinat d'un enseignant de collège qui est venu expliquer que les gens ont droit à la libre expression. Quel qu'il soit, l'ignorance a aveuglé cette personne âgée de 18 ans. L'ignorance aveugle chaque jour des parents d'élèves qui sont ignorants et ne connaissent très peu leur religion. Ils ne comprennent pas les sens des fois des versets. Ils oublient d'apprendre une chose, par exemple, chez les musulmans, nous avons les piliers, le credo. De la foi, on dit le shahada, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah. Mais dans la Bible, il le dit, il n'adorera que ton seul unique Dieu. Quand Jésus y parle, il dit Dieu votre Père, ou il dit Dieu mon Père, votre Père. Ah ben. Le problème, c'est pas son Père géniteur, c'est son Père créateur, comme vous. Le Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Apprenez votre religion. Nous faisons, nous, la prière 5 fois par jour avec des ablutions. Les chrétiens font la prière 5 fois par jour et certains font les ablutions. Nous donnons l'aumône, zakat. Les chrétiens et même les juifs aussi font la prière plusieurs fois par jour et font les ablutions. Nous faisons zakat, l'aumône. Un rituel, les chrétiens et les juifs aussi ont l'aumône. Nous faisons le jeûne du mois de Ramadan, et non pas le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, Shahr el-Ramadan, du mois de Ramadan, mais les juifs et les chrétiens aussi font le jeûne. Nous faisons le pèlerinage, si nous en avons les moyens. Mais les juifs et les chrétiens aussi faisaient le pèlerinage à Jérusalem. Les premiers musulmans faisaient la prière en direction de Jérusalem avant de le faire en direction de le Kaaba à la Mecque, en Arabie. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'Arabie saoudite, c'était l'Arabie. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. Donc pour la prière et pour tous ces autres actes de dévotion, c'est la même chose. Dieu est le créateur de toutes choses, de tout l'humanité, et non pas le créateur des musulmans. Nous avons besoin d'apprendre, de comprendre, nous les musulmans, notre religion, et aussi peut-être les autres religions monothéistes, pour comprendre que nous sommes peut-être des cousins si on regarde de près. Si on regarde bien l'histoire du Coran, une sourate que tout le monde connaît, et les musulmans apprécient, la sourate du prophète Joseph, Youssouf, alayhi wassalam, tout son parcours qu'il a fait,
quand il a ramené les bénis Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, parce que Jacob se fera appeler Israël, les amener en Égypte, ils sont devenus, ils étaient libres, et puis des décennies, des siècles plus tard, ils sont partis en esclavage. Après, mais des siècles après, ils n'ont pas été esclaves. Mais des esclaves, il y en a toujours eu partout, même dans les pays musulmans. Et encore maintenant, il y a une pratique de l'esclavagisme qui est ignoble. Tout ça pour en venir que si nous, les responsables d'associations dans les petites et les grandes mosquées des grandes et petites communes de France et des dom-toms, si les responsables religieux de ces associations, si les responsables des grandes organisations musulmanes que j'ai contactées plusieurs fois ont un projet qui me tient à cœur et qui peut peut-être aider à mieux comprendre notre religion, si tous travaillaient de commun accord et non chacun pour sa petite paroisse, sa mosquée, ça n'irait que mieux. Parce que chacun travaille, par exemple, pour ses intérêts ou pour les intérêts d'un tiers peut-être pays ou d'un tiers douteux de proxélétisme peut-être, proxélétisme ou de... je ne sais pas comment appeler ça, de mouvance dangereuse, contraire à notre pratique religieuse et contraire aussi au respect que nous devons avoir dans ce pays. Beaucoup de musulmans ont quitté leur pays, pas forcément pour raisons économiques, je l'espère, parce que ce sont quand même dans les pays qui sont très riches, les sous-sols très riches, mais ils ont quitté ces pays parce que dans leur propre pays, ils avaient l'oppression de leurs propres dirigeants. Ils étaient oppressés, opprimés, assassinés. Et la France, comme d'autres pays occidentaux, non musulmans, leur a ouvert les bras. Leur a donné de quoi apprendre. Pour certains qui ne savaient ni lire ni écrire, apprendre à lire, à écrire, à avoir un travail, avoir la dignité, avoir la santé, avoir un logement, et même à permettre pour beaucoup d'entre eux à envoyer des mandats à l'étranger dans leur pays, pour aider leur famille. En première partie, certains après pour ouvrir des magasins là-bas, et souvent on entend parler ces gens dire « Ah, la France, oh là là, c'est un pays de kafir !» Ah oui, mais le kafir, il t'a nourri, il t'a logé, il t'a habillé. Et ça, faut pas l'oublier. Et t'as même donné à tes enfants l'instruction. Et certains sont devenus des médecins, des professeurs, des policiers, des infirmiers, des restaurateurs, des commerçants, etc. Car il n'y a pas de son métier. Même un boulanger ou un balayeur de rue, il a sa propre dignité et nous devons la respecter. Je vous laisse à votre propre réflexion et comprendre que cet assassinat ignoble, fait par un imbécile, un ignorant, est dû à l'irresponsabilité d'une population qui a laissé faire. L'ignorance, c'est la gangrène, c'est le Covid-19 des musulmans. Attention à cela. Respectez ceux qui ne sont pas ni croyants, même des athées, respectez-les. Au contraire, apportez-leur la vérité, la parole de Dieu, on dit le Coran, la récitation révélée. Et la parole du prophète et des autres prophètes. Parce que n'oublions pas que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est le dernier de toute une lignée de messagers. Il n'est pas l'unique messager des musulmans. Il n'est pas un dieu non plus. Il n'est qu'un messager parmi tant d'hommes, un être humain parmi tant d'hommes, à tel point qu'il est mort. Mais Dieu, il est éternel. Donc ne l'oubliez pas ça. Ne dites pas toujours le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et que vous oubliez la parole de Dieu, pour certains, et quand vous voyez dans le hadith, regardez bien le nombre de hadiths qui sont vrais,
ceux qui sont douteux et ceux qui sont mensongers. Apprenez votre religion et vous apprendrez la paix, la fraternité et l'amour de votre prochain. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous.